Allô? Oh, Norbert, mon amour. Non, tu ne réveilles pas, hein? Et tout quand même là, non? Il doit à Singapour, il est quelle heure là? 5h du mat. Mais t'arrives pas à dormir. Non, tu pensais à moi. Oh, mon amour, c'est trop mignon. Oh, moi aussi, je pense à toi. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Non, mon amour, rien du tout. Non, je renversais mon café. Je te rappelle, chérie. Je te rappelle. Qu'est-ce que tu fous là? T'as oublié qu'on devait se voir aujourd'hui. C'est pas Norbert. Bah non. C'est qui? Je sais plus. Ça c'est fou. Tu vois, hier c'était la fête des voisins, donc j'allais prendre un verre et puis après c'est trop noir. Il est pas mal. Oh bah ouais. Bah écoute, faut le réveiller là. Vas-y, s'il te plaît. Bah écoute, ça me gêne. S'il te plaît, allez. Allez. Wow. Je sais plus. Monsieur, il est l'heure de se réveiller. Monsieur, Juliette. Oh, je reconnais maintenant. C'est mon voisin du dessous. Il s'appelle Enzo. Et il est mort. Enzo. Mais c'est horrible. Mais comment il est mort? Mais t'es marrante, toi. J'étais pas là hier soir, moi j'en sais rien. Attends, t'es sûre? Sûre. Oh là là, dans quelle merde je suis, là? Crise de priapisme aigu. Ça peut tuer, hein? Mais non! Je crois savoir comment il est mort. T'as une pince à épiler? Tiens. C'est à toi? Mais non! Ah bon? Tu la veux? Mais ça va pas, non? Remets-la! Puis c'est mieux pour la police. Heureusement que Norbert est à Singapour. C'est vrai. Il doit revenir quand? Demain, ça va aller. Juliette! Surprise! C'est moi! Norbert! Oh mon amour! Oh ma chérie, j'étais tellement impatient de te voir, du coup j'ai pris un avion plus tôt. Oh, mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Je voulais te faire la surprise. Oh, quelle bonne idée, mon petit chou. Par contre, ça fait 24 ans que j'ai pas dormi, je suis désolé, mais là faut que j'y aille. Non, non, attends, rentre pas. Pourquoi? J'ai envie de toi, oui. Oh, j'en veux. Maintenant, oui, tu m'excites. Tu veux pas aller dans la chambre plutôt? Non, pas dans la chambre, là, c'est beaucoup plus. Allez. Oh, désolé. Non. Oh, désolé, chérie. Non. Attends, juste une petite heure et après, je promets, je suis à toi. Cooking. On le prend? On le vire. Ouais. On va le remettre chez lui. Tu prends la tête et moi je prends les pieds. Essaye quand même. Foutu. Non. T'es pas foutu.
Oh. J'ai dormi combien de temps? 22 heures. Non, c'est pas possible. T'en avais besoin, mon petit chat. Oh, tu m'étonnes. Tu veux un café? Ah ouais, ouais. Oh, j'en ai besoin. Hein. Oh, j'ai fait un rêve super bizarre. Ah ouais? Non, mais il y avait toi et Audrey. Portiez un mec à poil dans la chambre. D'ailleurs, il ressemblait un peu au voisin du dessous. Enzo? Ouais, Enzo, ouais. Il avait un slip léopard qui sortait de la bouche. Son sexe était en érection. Il était mort. Oh. On m'avait regardé toutes les deux. Et vous m'avez fait... Coucou. Bizarre, hein? Ah bah oui, là c'est bizarre, hein? En même temps, c'est un rêve, hein. Tu sais, les rêves, c'est toujours très très bizarre. Mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Je sais pas, moi. Il doit bien y avoir un sens caché, non? Ou alors très caché, hein? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je sais. J'ai un bouquin là-dessus.